convergence majeure en vue dans l'univers du divertissement aux États-Unis. AT&T va faire fusionner sa filiale Warner Media avec Discovery dans une opération de 43 milliards de dollars qui devrait être achevée mi-2022. Le nouveau groupe proposera donc à la fois des chaînes de télévision traditionnelles comme CNN, HBO, Discovery ou Eurosport et des plateformes de streaming comme HBO Max et Discovery Plus lancées en début d'année. Objectif, tenter de rattraper le retard sur les leaders du marché du streaming que sont devenus Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou Apple TV. Netflix, par exemple, compte 208 millions d'abonnés, mais le nouveau groupe AT&T Warner Media voit plus grand en pariant sur 400 millions d'abonnements.